ateliers Contraste, ce sont des ateliers hebdomadaires à l'année en photographie. Donc en initiation, on a des cours de 3 heures semaine avec une thématique autour de l'autoportrait. Et alors en perfectionnement, enfin, ce qu'on appelle les ateliers recherche photographique, on est sur des ateliers où on travaille alors sur une thématique annuelle. Cette année, Manon Langeouer est l'artiste invitée. Elle nous a proposé une thématique autour de la problématique environnementale et elle nous propose une exposition, Les particules d'un compte humain, qui est une exposition qui tourne déjà en France et à l'étranger. Et elle compose une exposition avec nos élèves, avec 5 projets qu'elle a choisis parmi les élèves dans l'exposition de décembre. Et là, elle nous propose une exposition sur un monde habitable, point d'interrogation. On démarre dans l'entrée avec le travail de Viviane, qui est un travail très poétique, qui est une mission fiction sur Vénus. L'idée, c'est vraiment de montrer l'évolution de cette planète qui potentiellement a abrité la vie à un moment donné. Voilà, qui est passé d'une forme très gelée à vraiment un effet de serre où la planète maintenant est presque que volcanique et brûlante. Un peu une entrée dans la matière assez puissante. On a ensuite juste ici le travail de Charlotte qui a travaillé sur les PFAS et l'incidence qu'ils ont sur la maternité et sur le lait maternel et tous les questionnements qu'une mère peut avoir justement puisque la société a tendance à nous faire penser qu'il est mieux d'allaiter son enfant. Or, justement, avec cette problématique-là, peut-être que cette solution n'est pas la plus indiquée, puisque du coup, il serait transféré directement via le lait. Donc on est vraiment dans la question de comment nous, notre pollution, comment le vivant nous envoie aussi des conséquences directement sur nous. À gauche, on a le travail de Marielle, qui, c'est très précis, je pense que vraiment il faudrait qu'elle vous en reparle. Donc, c'est un épisode très particulier, donc une inondation qui a eu lieu en 2021, qui a fait réapparaître des espèces de plantes qui ne sont pas endémiques. Et en fait, ce sont des graines qui ont été importées via justement l'industrialisation et le traitement de les industries liées à la laine. Voilà, donc la laine qui était importée entre autres d'Australie, qui venait avec ces graines-là, qui sont restées en sommeil entre guillemets pendant une cinquantaine d'années, ont été de nouveau révélées à cause de cette catastrophe entre guillemets climatique. Donc c'est aussi un projet qui montre bien aussi déjà les problématiques liées au réchauffement climatique et nous aussi nos interventions à vouloir tout le temps faire bouger les espèces et vouloir constamment importer, exporter des produits qui ne sont pas originaires de régions ou de pays. Ici, nous avons le travail de Delphine, le travail vidéo, photo et sonore, qui est inspiré en partie des recherches de Rachel Carson, qui est un peu la précurseur du message d'alerte concernant les pesticides et l'impact que ça a, notamment sur les oiseaux. Donc, tout son travail aussi sonore, c'est la perte du champ de l'oiseau dans la ville, c'est la disparition progressive de ces espèces, puisque les pesticides interviennent autour des arbres, que ça tue progressivement les vers et que les oiseaux eux-mêmes ne peuvent plus ensuite se nourrir. Derrière, il y a le travail de Catherine qui a fait un travail sur le réchauffement climatique et l'acidification des océans avec donc ces simulations laboratoires qui montrent un peu les conséquences de ce que l'acidification de l'océan peut produire sur les espèces et la chute de la biodiversité. Donc les changements de pH à terme ont une incidence assez catastrophique sur en particulier les tout types de coquillages, les huîtres, les palourdes. Mais en tout cas, les premières études se sont beaucoup concentrées sur ces coquillages et c'est sur ces espèces-là que l'acidification de l'océan est le plus révélateur. Voilà, et mon travail pour terminer, qui
qui est un travail que j'ai commencé à bord de la goélette scientifique Tara, et qui porte sur la pollution plastique de l'océan, qui est un sujet qui est très connu et très méconnu en même temps du grand public, puisqu'on a tendance, quand on parle pollution plastique, à parler de pollution de surface type 7e continent. C'est une pollution qui représente seulement 1% de la pollution océanique globale, et 99% c'est de la pollution microplastique qui va toucher les micro-organismes que le grand public ne connaît pas non plus et qui a une importance primordiale pour nous. Ils sont responsables entre autres de 45% de l'absorption du dioxyde de carbone et environ 70% de la production d'oxygène sur la planète. Donc c'est plus que toutes les forêts réunies. Et donc c'est vraiment mon envie de travailler sur ce sujet. C'est une problématique qui est invisible à l'œil nu et donc qui n'est pas médiatisée. Et donc toute l'idée du projet, c'était de trouver une forme de visualisation à cette problématique environnementale majeure, puisque à terme, ils sont empêchés à cause du plastique, ces micro-organismes, de faire la photosynthèse et donc de continuer à produire correctement pour nous de l'oxygène. Voilà. Merci.